La culture, c'est évidemment un échappatoire dans le climat actuel et surtout quand on est étudiant. Bonjour, je m'appelle François Dorlène, je suis photographe et réalisateur et je serai le parrain de l'édition 2021 des journées art et culture dans l'enseignement supérieur. Alors moi, évidemment, c'est des photos prises avec un smartphone, mais l'idée, c'est surtout de voir le monde avec un regard d'enfant. Un regard naïf et de s'amuser de s'amuser du monde réel en le mêlant avec de la fiction. J'ai accepté d'être parrain de cette mission tout d'abord parce que déjà c'est un honneur. Le monde étudiant c'est quelque chose qui m'interpelle en fait en tant qu'ancien professeur, évidemment ancien étudiant aussi puisque j'étais étudiant en fac d'histoire à Caen. Et associer ce monde-là à celui de l'art qui est devenu mon autre famille, ça avait du sens. L'idée du concours, c'est de reprendre un peu le style de photo que je fais. En fait, c'est pas tellement de refaire des photos avec un téléphone comme moi je fais. Alors, évidemment, c'est pratique parce que tout le monde a un téléphone et on peut tout trouver, enfin presque tout sur Google Images ou sur Internet. Alors on peut tenir un objet, on peut tenir une fleur, un livre, un téléphone, une pochette de disque, ça s'est beaucoup fait dans les années 90. Tout est possible. Pour moi, le mot d'ordre, c'est de s'amuser, de détourner la réalité qui, en plus, c'est pas très très chouette aujourd'hui. La culture, c'est évidemment un échappatoire dans le climat actuel et surtout quand on est étudiant. Et c'est pour ça que rentrer la culture dans les facs et essayer de s'évader sans bouger géographiquement, c'est hyper important.